Bonjour. Dans cet exercice, je souhaitais vous montrer comment il est possible de récupérer donc un composant ou un ensemble de composants et de le rejouer à un autre endroit donné. Donc j'avais déjà fait ça dans un autre tuto, dont je vous mets le lien donc en haut à droite, et on va le faire à nouveau à partir d'une mission que j'ai réalisée pour vous juste il y a quelques jours. Voilà. Donc photo. Si vous vous souvenez bien, c'est ces trois waypoints qui ont permis de faire un enchaînement de photos, soit de façon périodique entre A et B ou de façon apériodique entre B et C. Voilà. Donc là, je vais le déplacer pour faire exécuter la mission tout près de chez moi et on verra dans la vidéo qui suit effectivement comment ça se déroule sur le terrain. Voilà, donc là, je me mets proche de mon domicile pour pouvoir faire effectuer la mission sur le terrain. Donc à partir de cet endroit-là, donc je me place à ce point-là et je fais move référence, donc l'ensemble des composants, je fais move et hop, voilà. Donc là, j'ai récupéré la mission telle qu'elle avait été définie initialement. À partir de là, donc je peux la déplacer légèrement pour la mettre au centre du terrain. Il est possible d'apporter quelques modifications. Donc déjà le point de départ, je vais le situer par ici, je dirais voilà, entre les arbres. On est capable de changer l'échelle. Donc changer l'échelle, c'est-à-dire le rétrécir ou l'agrandir. Voilà, simplement. Là. Ainsi que le point d'intérêt, je dis oui. On est capable de faire effectuer une rotation. Donc c'est l'ensemble des points, l'ensemble des POI, etc. Hein, qu'on peut toucher, que l'on va, pour lesquels on va entamer un mouvement de rotation. Je le fais pas, hein, je reviens en arrière, ou une transformation. Donc là, on est capable, pareil, de faire une translation à l'ensemble des points. Voilà, ok? Donc, j'arrête, donc je fais non, je reviens en arrière. Donc là, il est tout proche de la maison. Je vais effectuer la mission. On peut effectivement renommer. Donc, je fais renommer le nom proche de la maison, par exemple. Maison. Voilà, donne. Je garde l'ensemble des waypoints, l'ensemble des hauteurs, l'ensemble des vitesses, l'ensemble des passes actions, bref, quasi comme initialement, et on va la jouer sur le terrain pour voir ce que ça donne.